Bonsoir les amis, bonsoir les gilets jaunes, bonsoir le peuple, bonsoir tous les peuples. Ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Alors on va continuer parce que c'est très important ce qui s'est passé et euh, ce qui se passe donc euh, sur euh, cet attentat que j'ai désigné dès le départ comme étant un attentat. Euh, contre euh, contre la civilisation contre euh, les croyances contre les valeurs contre notre dame de paris euh, alors je vous avais montré qu'il y avait eu une revendication euh, par l'État islamique, ISIS, Daesh euh, c'est, c'est, on va dire, plus qu'une revendication, euh, une, une autosatisfaction et euh, et des des provocations. Hein. On va plutôt cataloguer euh, les les montages d'images que je vous ai montrés, que je vais vous montrer, et qui ont été diffusés euh, dans cette euh, dans cette optique-là. Euh, alors, je précise que lors de tous les attentats et de toute manière, de façon générale, toutes les informations moi-même je diffuse régulièrement que ce soit des vidéos euh, tout de suite euh, lors des attentats ou lors des événements majeurs spectaculaires les photos que ce soit votre serviteur ou n'importe qui d'autre on va dire entre guillemets dans le civil et eh bien toutes ces informations euh, on les récupère sur les réseaux sociaux sur diverses sources mais ceci pour vous dire tout ceci pour vous, vous dire que euh, c'est le système qui donne ces informations. d'accord? c'est le système qui donne les, les vidéos choquantes, vidéos, les vidéos en avant-première, soi-disant, etc., euh, des euh, exécutions, des attentats, comme on a vu là, il est d'usage que les terroristes portent des, euh, des GoPro, des caméras sur eux, comme on a vu en Nouvelle-Zélande et on l'a vu ailleurs. Donc c'est le système qui alimente les chercheurs de vérité, et puis de manière générale les merdias, tout le monde. Euh, donc c'est important d'avoir ça en tête euh, à chaque fois que nous disposons d'informations. Je ne suis pas moi-même Patron d'un réseau d'informateurs ou de services secrets, et ni aucun chercheur de vérité ne le croyait pas s'il le prétend. Donc nous récupérons les informations qui nous sont qui sont mises à disposition. D'ailleurs Julian Assange lui-même de, faisait de la récupération d'informations. Alors imaginez qu'un de ces informateurs euh, lui donne veuille le manipuler en lui envoyant des documents que ce soit de la CIA ou autre mais euh, fabriqués fabriqués par la CIA ou autre pour euh, orienter les opinions au travers de Jean Assange dans, dans un sens ou un autre il n'y verrait jamais euh, euh, il n'y verrait jamais le, le faux hein. Donc, ça c'est important à savoir. Donc, euh, je vais vous montrer donc, les deux euh, photomontages euh, dont, nous, dont je dispose euh, et je vais les annoncer comme étant ce que le système euh, a décidé de diff diffuser. Hein. Là, comme ça, les choses vont être très très claires donc euh, voilà image numéro 1 donc nous voyons qu'il s'agit bien de Notre-Dame de Paris et puis bon bah, ce qu'il y a écrit en arabe hein, moi je je l'ai lu pour vous résumer euh, euh, ça veut pas dire grand chose alors ici vous avez une sourate du Coran qui, franchement, ne veut, pas, ne veut pas dire grand chose, on va dire, par rapport à, à l'image. Hein. Et, et en bas, on a donc les menaces, les provocations. Euh, voilà, il, nous sommes attaqués par les croisés. Et, euh, et, euh, et vous osez les défendre, en gros. Voilà, là on voit un point d'interrogation avec deux points d'exclamation. Daesh qui est dégoûté de, de nous voir euh, solidaire donc de ce qui se passe euh, en France par rapport à, à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Bon, qu'ils aillent se faire, euh, je vais pas être vulgaire, mais qu'ils aillent se faire foutre. Et en tout cas, c'est le système qui nous parle donc. Et ici, donc voilà, ce photomontage est beaucoup plus explicite, on voit très bien le drapeau de la France, le drapeau euh, pardon, le drapeau de la France sur la carte de France, le drapeau de l'état islamique qui trône soi-disant par-dessus. Euh, le message, nous n'oublierons pas euh, ce qui se passe, ce qui s'est passé euh, contre les musulmans euh, dans le Bagous. Ba on va, je vais vous en parler justement, et nous allons euh, nous venger des ennemis de Dieu. Donc c'est écrit aussi en anglais. Ils ont pris le soin de mettre Macron. Et encore une fois, le drapeau de l'État islamique. Euh, ils ont aussi pris le soin, je remarque, de mettre du jaune. Donc voilà, là c'est le, euh, encore une fois, je le répète, et s'il le faut, je passerai la soirée à le répéter. C'est le système qui nous parle. Donc il faut vraiment prendre tout ceci avec beaucoup de recul beaucoup d'analyse euh, donc pour moi euh, je vais vous donner mon avis à aller à plus de 80 même plus j'allais dire 95% à plus de 99% parce qu'il faut toujours laisser une marge d'erreur à plus de 99% ce n'est pas du tout crédible euh, et encore une fois c'est une manipulation une énième manipulation euh, du système mais bon je suis là pour vous passer les informations les analyses donc euh, je me devais de vous montrer tout ceci euh, donc euh, le bagouze barouze euh, intéressons-nous y euh, alors ces, ces photomontages, je tiens à le préciser, ont été diffusés par euh, l'agence, on va dire, non officielle, entre guillemets, du Mossad. Bon, là, c'est... Voilà, je, 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 je donne directement ma source, il hein, n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est le Mossad qui diffuse ce type de montage. Euh, Donc le Bagouze. Eh bien, sachez. Euh, alors je vais vous montrer. Euh, C'est en Syrie. Hein, je vais euh, vous montrer parce que il se passe beaucoup de choses en Syrie hein, malgré les différentes annonces, euh, donc américaines. Hein de retrait, hein. comme ils avaient annoncé qu'ils se retiraient sous Obama de euh, d'Afghanistan, se vous le voyez, ils se sont jamais retirés, vraiment, pas du tout. Hein. Et comme Trump a annoncé qu'il se retirait de Syrie et on peut supposer d'Irak, euh, ce n'est pas le cas. Alors regardez euh, ces, cette carte des positions, des différentes positions militaires sur place et quelques affrontements qui est très récente. Cette carte, elle est du 16 avril. Euh, donc nous voyons ici, alors, euh, tout ce que vous voyez en rouge et euh, en jaune ici, c'est la Syrie. Hein. La Syrie et toutes les couleurs que vous voyez. Alors nous avons une poche sous contrôle américain ici. Nous avons du rouge partout, particulièrement par là donc euh, ici euh, la Russie, mais là où il y a du rouge, il y a la Russie et l'armée de l'armée syrienne. L'armée démocratique syrienne. Euh, et voilà, toute la partie euh, ici nord-nord-est, toujours vers l'Irak, euh, est sous contrôle américain. Vous voyez, on, on a presque la moitié du pays, en tout cas un bon tiers du pays, qui est euh, sous contrôle américain. Plus la poche ici bien entendu euh, voyez bien que c'est totalement faux le, de parler de retrait c'est totalement euh, c'est un gros mensonge euh, alors euh, c'est important que vous compreniez que euh, les dernières poches de daesh et depuis toujours de toute façon daesh a toujours été stationné ici à des résorts des résorts et ici et le, la dernière poche là donc euh, qui est citée euh, par le montage soi-disant euh, de Daesh euh, c'est euh, Bagouz Barouz et c'est carrément ici ça veut dire sur toutes les frontières, la frontière irakienne, la frontière du contrôle euh, américain euh, en Syrie, et la frontière du contrôle des forces démocratiques syriennes et les forces russes et par extension les, les iraniennes euh, par ici. Donc là, on nous dit que la dernière des dernières des dernières poches. C'était justement ce village de Bagouz, Barouze, Et il est situé ici. Donc vous pouvez remarquer que, bizarrement, Daesh a toujours été euh, sur cette ligne qui sépare les deux blocs, le bloc, euh, on peut dire, soviétique euh, et le bloc de l'OTAN. C'est quand même assez troublant. On se demande pourquoi euh, tout ce cinéma a duré euh, autant d'années. Donc euh, Daesh est officiellement vaincu. Je vous avais annoncé que l'OTAN dans laquelle dans l'alliance dans laquelle euh, la France est, opère beaucoup. Hein. La France arme, a armé les Kurdes et y compris des, euh, des on va dire, des milices affiliées à Al-Qaïda, Al-Nosra, de l'aveu même euh, de l'ancien ministre des Affaires étrangères en poste français Laurent Fabius. Donc voilà, euh, la France a été défaite, euh, les Alliés, les États-Unis, le, le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui fabriquaient les fausses euh, vidéos avec les casques blancs, les White Helmets, euh, pour accuser périodiquement donc, Bachar Al-Assad... Et, et, et ses alliés de gazer euh, les populations, c'est toutes les images, les fausses images, c'est du maquillage et les vidéos que vous avez dû euh, voir ces dernières années et pour lesquelles euh, les merdias français euh, se sont faits euh, euh, les défenseurs de l'humanité, c'est des euh, montages. Et la France a demandé énormément de résolutions à l'ONU. Enfin, c'était une belle comédie hein, ce qui, ce qui s'est passé. Malheureusement, il y a des vraies victimes. Euh, donc, euh, alors je vais vous montrer euh, quelques remontées du terrain, euh, et vous verrez, euh, vous verrez que ça, ça paraît à peine crédible. Euh, cet ennemi qu'on nous présente tellement fort, tellement difficile à battre, il aura fallu plusieurs années où on a la planète entière qui est en train de se battre contre Daesh, l'État islamique, euh, tout le monde en tout cas, il y en a qui simulent se battre, mais qui, ont, qui ont fabriqué euh, donc cette, euh, cette, cette organisation terroriste, daesh, donc je vous le rappelle, les alliés ont fabriqué euh, daesh et ils ont passé leur temps à l'alimenter, à simuler le combattre. c'est toujours la stratégie de d'utiliser de, de, les, euh, les faux drapeaux, les, les combats de, de milices, pour s'attaquer là et c'était euh, s'attaquer à des pays euh, sans sans les attaquer frontalement euh, là il s'agissait de s'attaquer à la Syrie sauf que bon ben ils ont échoué ils n'ont pas réussi et au final donc nous avons vu que le monde entier a certains ont simulé d'autres l'ont fait vraiment comme euh, les syriens Bachar al-Assad le, les iraniens les, les russes bien entendu euh, y compris euh, le au Liban ils ont ils se sont vraiment attaqués à Daesh parce qu'il s'agissait de la, de la survie hein, de plusieurs euh, de plusieurs euh, points stratégiques et de le de, 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 de la de la du sauvetage du régime euh, syrien et des frontières syriennes euh, donc, euh, donc voilà nous avons à la fin nous avons eu la planète entière qui se bat contre daesh ce qui paraît euh, euh, Exagéré, vu ce que nous pouvons savoir de Daesh, l'État islamique, vu de ce que nous voyons comme remontée d'images et de vidéos toutes ces années du terrain, c'est-à-dire que c'est des, des, des rigolos avec des, des 4 4 des vieilles 4x4, euh, vraiment dans un mauvais état, des. des des espèces de, de, de mitraillettes basiques et des des bombes et des comment dire des des, des, des roquettes artisanales ça paraît vraiment euh, très très peu crédible que toutes les les, les grandes puissances de ce monde euh, aient émis aient mis tant de temps tant de temps, à en venir à bout. c'est vraiment... voilà. c'est une vaste comédie, une vaste orchestration. Euh, là, nous, je vais vous montrer euh, une vidéo, donc d'un bombardement de la coalition euh, américaine à des résorts, donc plus particulièrement euh, au fameux, sur le fameux village la dernière poche en, qui a été bien entendu vaincu, il manquerait plus que ça. La dernière poche, donc, dans le village de euh, Bagouze-Barouze. Et on nous dit, donc, qu'il y a des souterrains, euh, il ils vont presque nous dire qu'il y a euh, une soucoupe euh, euh, extraterrestre sous les montagnes, à force de... Bon, on, va, on regarde, les amis.

Donc voilà. Enfin, on voit toujours les mêmes images hein, de bombardements spectaculaires. Euh, on a vu ça donc plus, durant toutes ces années. Euh... Donc regardez. Donc là, il s'agit de vous montrer euh, très rapidement un des, une des grandes euh, un des grands joyaux de l'humanité, une des grandes villes de la Syrie qui a été massacrée, Palmyre, Palmyre qui a une grande histoire. Plus que millénaire, euh, on nous désinforme beaucoup là-dessus. Je vais justement vous dire un mot. Sachez que les, euh, pour à l'endroit des féministes, voilà, sachez que vous vous, vous ignorez que euh, il n'y a pas que Cléopâtre donc qui a été euh, impératrice, qui a été reine. Il y a aussi Zenobi, hein, euh, qui a été une, une grande reine, donc euh, de Palmyre, de la Syrie de l'époque. Euh, Palmyre était euh, était une ville extrêmement rayonnante, euh, extrêmement riche, et donc très rapidement, les amis. Euh, Zénobie, donc, euh, était l'épouse de, ne euh, de Dénate, euh, et après euh, que ce dernier ait été assassiné, lui et son fils, vers 267, donc après euh, Jésus-Christ, euh, donc le fils errant. Euh, euh, n'était pas de Zénobie mais d'un d'une d'un précédent d'une précédente union d'Odenate euh, et Odenat donc était, avait le titre de roi des rois le roi des rois donc Zénobie euh, qui avait donc un fils euh, commun euh, Wabala Wabalat euh, à la mort donc de du roi des rois et du fils du roi des rois euh, a transféré ce titre tous les titres à euh, son fils. Ceci devant l'incapacité des empereurs à défendre la Syrie et elle parvint à réunir sous son autorité les provinces de Syrie, d'Arabie et d'Égypte. Elle commence euh, alors à la conquête des provinces d'Asie Mineure, euh, et après elle proclame Wabalat, donc son fils, empereur de Rome. Empereur de Rome. Elle-même, elle, elle a pris le, le titre d'Augusta comme mère de euh, cet empereur de Rome. Hein. Enfin, C'est énorme! Ensuite, bien entendu, il y a eu euh, Aurélien, euh, donc empereur romain, qui euh, a décidé à l'automne 270 de... et la fin de 271 de euh, combattre tous ses rivaux. Euh, il réussit à la fin à s'emparer de Palmyre. Et a capturé euh, Zenobi qu'il fait envoyer euh, à Rome et faire défiler à Rome euh, pour euh, comme acte de triomphe après quoi euh, voilà c'est là où on perd la trace de Zenobi euh, Alors voilà, c'était important de faire un arrêt pour vous parler de Palmyre. Euh... Donc voilà, il y a on a eu plein d'informations sur la dernière poche donc, qui est citée dans les photomontages, Bagouze, Barouze, c'est très important de retenir ce nom. Euh... Voilà entre autres les images qui parviennent. Puis voilà, ça paraît pas très sérieux, encore une fois, par rapport à ce qui nous est présenté euh, de, 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 de cette ridicule armée de l'état islamique. Vous voyez, euh, au final, le village tend. Encerclée euh, contient des campements et des tentes et soi-disant des galeries dans les montagnes. Voilà donc les images qui remontent. Je vais vous montrer. Voilà. Une, une autre image il y a plein d'images hein. un autre type d'image voilà regardez ça paraît euh... enfin c'est assez incroyable hein. c'est tous les pays du monde toutes les grandes puissances euh, ont mis tant d'années à en venir à bout euh... De... enfin je... c'est pas sérieux hein De d'un ensemble de de, de rigolos avec des, des, des armes artisanales voilà voilà ce qu'on nous présente regardez les prises les prises qu'il y a eu à la chute de de la dernière poche de bagouze regardez c'est énorme regardez le type de prise l'armement lourd donc que Daesh, l'État islamique, avait. Regardez, c'est énorme. Voilà toutes les puissances de la planète euh, contre euh, quel armement elles se sont battues pendant des années. Voilà les prises, le type de prises. Je vais vous montrer hein, plusieurs éléments. Hein c'est assez incroyable. Donc voilà ce qu'on nous montre. Voilà l'armement sophistiqué de cette, de cet état islamique, ce califat qui aura tenu tête à la planète entière pendant de longues années. Voilà ce que ce qu'on qu nous a, ce qu'on nous montre comme prise de guerre. Regardez là, c'est des pains d'explosifs, enfin, c'est assez. C'est limite risible. Hein, c On voit pas d'armement du type, des, je sais pas moi, des, des, des chars, des. des. Euh, même des, des fusils d'assaut, Enfin, je sais pas, quelque chose de sophistiqué qui justifierait. Euh, que toutes les armées les plus puissantes du monde aient mis tant de temps à en venir à bout. Tout simplement. Voilà les images qu'on nous présente. Parce que ça, tout ceci, les, les amis, c'est des images du système qui peut pénétrer là-bas, à votre avis. Voilà les images. On a l'impression d'être dans une déchetterie ou peut-être euh, dans une région parisienne autour de certains coins du périphérique, un campement abandonné. Enfin, c'est assez. On en apprend aussi, toujours des infos qui qui ne peuvent provenir que du système, que l'État islamique ne il est mort en Irak. Il s'est reconstitué en Syrie. Il est mort en Syrie. Al-Baghdadi, d'ailleurs, ce chef euh, autoproclamé du califat, euh, ils, ils, ils ont pensé le trouver dans cette poche, euh, la dernière poche de Baghouz. Ils l'ont pas trouvé. Et donc, on apprend que euh, malgré que l'État islamique a été vaincu un peu partout qu'il euh, y a, il y a, il y aura une vidéo euh, de leur branche égyptienne, voilà, vous voyez ce pays très important, le pays des pyramides, le pays de toutes les prophéties. Donc on apprend qu'il y a une branche égyptienne qu'ils ont, qu'ils ont que l'État islamique, Daesh a euh, créé euh, pour renaître de ses cendres. Donc cette branche égyptienne s'appelle Wilayat Saina. Wilayat Saina. Euh... Alors une petite vidéo.

Bon, vous n'avez pas grand... Com... compris grand chose, c'est normal. Euh, ça ne ressemble pas à grand chose. Euh, on voit rien, on voit deux femmes passer et un homme crier. Ça me fait penser aux orchestrations que je vous ai tant démontrées en France par rapport aux Gilets jaunes les orchestrations des deux attaques contre les véhicules de police, que ce soit celle de Nuit debout et celle dernièrement à, à Lyon. Ça, voilà, on entend beaucoup de beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit et au final il se passe pas grand-chose. Quand vous mmh. collez des bandes de sang sur des images, vous pouvez faire n'importe quoi. Euh, donc après, fin mars, vous vous rappelez, tout le monde a annoncé euh, avoir vaincu Daesh. Hein, tout le monde l'a vaincu <laughs> euh, en même temps. Euh, Donald Trump euh, l'a annoncé le 22 mars. Les forces démocratiques syriennes l'ont proclamé le, le 23. Donc Donald Trump le 22. Les, le FDS, les forces démocratiques syriennes le 23. Euh, la Russie l'a proclamé il y a très longtemps. Avant tout le monde. Euh, voilà le type de photo qui circule voilà ça vous rappelle certainement d'autres photos notamment de ce petit garçon tout mignon qu'on a vu qu'on a vu à l'arrière la, à d'une ambulance c'était une orchestration hein. regardez ça moi ça me fait penser à la même chose voilà le type d'image dont euh, les orchestrateurs sont friands et particulièrement la CIA et le MI6 les services secrets anglais qui sont extrêmement présents sur le terrain pour fabriquer justement les fake news chaque pays a un rôle les états unis c'est le commandement militaire la france c'est aller pleurer à l'ONU et l'Angleterre s'est fabriqué les fake news. Euh, voilà une autre photo. On nous montre que c'est la guerre euh, très euh, difficile contre ce, ce, ce faux état, cet état virtuel islamique euh, extrêmement puissant et technologiquement Avancé. Voilà. Avec quel type d'image donc ils veulent crédibiliser la chose Toujours la même histoire hein, des, un terrain vague avec des débris et puis des photos d'explosion. Alors on va continuer à regarder. Euh, une petite vidéo. Là c'est l'AFP. Hein, c'est franco-français. Regardez donc avec quoi ils veulent qu'on accroche. Regardez le super armement euh, de, euh, que l'État islamique laisse derrière lui. Regardez la sophistication et la puissance technologique de l'État islamique. Absolument ridicule, ça, ça me fait penser à ce Mola Omar qu'on n'aura jamais trouvé. Qui à chaque fois, même moi j'y ai cru à l'époque, et à chaque fois sur qu'on est sur le point, qui sont sur le point de, de le capturer, il arrive à chaque fois à, à, à se volatiliser, y compris une fois. Il était entouré par l'armée américaine et plusieurs autres euh, armées. On nous explique qu'il s'est tiré un mobilette, comme la mobilette que vous venez de voir. Un mobilette, il s'est tiré. À l'époque, j'y croyais, moi aussi. Même j'ai cru euh, euh, au 11 septembre et j'avais cru au début à euh, Jérôme Rodrigue mais voilà maintenant ça prend plus hein, les choses vous les voyez ou vous les, ou vous les voyez pas différemment moi je les vois différemment euh, les véhicules que vous voyez les, les mobilettes euh, d'aucun et d'aucune mobilette ne, ne circule en France c'est tellement euh, dépassé c'est tellement euh, c'est des véhicules de collection carrément hein, c'était c'est des motos de collection. Allez, une autre vidéo. car euh, regardez ici c'est un bunker regardez les bunkers ça tient avec euh, avec des draps et, et les souterrains on nous dit bizarrement tout est bombardé mais euh, le gazon euh, certains hasards sont intacts regardez l'armement de ce groupe euh, ce pays virtuel qui aura tenu tête à, euh, aux plus puissantes de toutes les armées. C'est énorme. Regardez, là, je reviens dessus. Regardez comment c'est exhibé. Euh... Je ne sais même pas si elle est fonctionnelle, hein, cette mitraillette. On dirait une sculpture. Donc là, sur cette image, on nous montre soi-disant euh, voilà, la capture de plusieurs euh, perdants euh, de cette euh, super armée de l'État islamique Daesh. Vous noterez sur la photo, comme d'habitude, que tout le monde a euh, un couvre-chef, tout le monde ou presque a une barbe et tout le monde tourne, tourne la tête cherchez pas, euh, vous ne pourrez jamais vous rappeler d'aucun visage. Si demain il y en avait euh, qui euh, circuler, qui circulerait par exemple en France, ou si vous en croisez un jour, peut-être, je veux dire, si, hein, admettant que cela soit possible, que vous croisez un jour, croisiez un jour une de ces personnes, mais jamais, jamais vous ne pourrez la reconnaître. Voilà donc la super armée, vous voyez bien, avec toute euh, leur protection et leur tenue militaire à la pointe de la technologie. Là, on nous exhibe donc un armement lourd qui a été. Euh, donc, euh, repris, repris, euh, l'État islamique. a ah, toujours, on est toujours à Bagouz. Donc là, vous avez des Makarov, des, des Glocks, des... Euh, des euh, alors, il y avait là, ce que vous allez voir, c'est un important dépôt d'armes. Souterrain. Tenez-vous bien. Regardez ce trésor d'armement qui a été donc neutralisé. Voilà la prise. Voilà mais c'est tout, c'était ça le... Le... les réserves de toutes enfin, en tout cas dans ce tunnel caché euh... on fait des tunnels pour cacher ça une je sais pas moi une trentaine de mitraillettes euh... allez dernières images donc là on nous montre un autre jour donc euh, soi-disant deux nouvelles prises mais vous remarquerez dans le fond d'écran on arrive aisément à reconnaître les mêmes armes qui ont été filmées en vidéo donc là on nous met on, en, on nous en met une grosse euh, avec en fond d'écran les, les autres mais euh, c'était euh, c'était donc euh, la même orchestration j'ai envie de dire allez on s'arrête là j'espère que euh, je n'ai pas été trop euh, trop saoulant parce que c'est vrai que c'est saoulant, mais il fallait euh, aller se pencher sur le sujet euh, alors revenons euh, à Notre-Dame avançant donc euh, dans le classement d'informations que j'ai en ma possession que vous avez aussi euh, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà euh, sur ce que j'ai déjà donné comme information lors de la première vidéo de la partie 2 d'hier et de la partie 3 d'aujourd'hui. Euh, pardon, de la partie 2 d'hier. Donc là, la partie 3 d'aujourd'hui, je vais faire des rajouts d'informations. Je ne vais pas revenir aux informations déjà données. Euh, donc hier, j'étais euh, épuisé. Je devais vous montrer cette vidéo. Euh, donc, je ne l'ai pas montré, j'en profite pour donc vous la montrer euh, ce soir. Donc, euh, sachez que euh, parmi les miracles, il n'y a pas eu uniquement donc, le coq en bronze de la flèche qui a été euh, sauvé on, a, on apprend, on a appris que euh, 16 statues ont été aussi sauvées pourquoi parce qu'elles ont été extraites euh, comme par hasard 5 jours avant euh, l'incendie et il y a une petite vidéo euh, euh, là dessus il me semble que c'est ouais c'est le Huffington Post Allez, on regarde. Et ensuite, je vous ferai donc euh, euh, la réponse. Elle n'est même pas de moi, la réponse de le monde euh, aux deux euh, aux deux fake news qui ont circulé. L'une sur cette personne qu'on voyait soi-disant sur le toit regardant l'incendie, et l'autre sur la personne qu'on voyait. Euh, euh, filé en douce euh, filmé euh, filmé sur un écran Donc voilà, comme par hasard, cinq jours avant, pourquoi pas trois mois avant, pourquoi pas non, il a fallu cinq jours avant, on décide de sauver euh, toutes ces statues et on prend le soin, c'était important, on prend le soin de prendre de, belles, de filmer, de prendre des belles images, euh, d'en haut, de la vue d'en haut. Donc voilà 16 statues euh, sauvées miraculeusement euh, donc je vous montrerai à la fin donc par rapport à, euh, à deux fake news qui ont circulé euh, maintenant euh, revenons sur les incohérences donc il y a un témoignage que vous avez dû euh, vous aussi voir, que je vais vous lire. Donc ce témoignage, euh, je vais vous lire. En 40 ans d'expérience, je n'ai jamais... Connu un incendie de la sorte, affirme celui qui estime que la protection incendie mise en place dans la cathédrale était à son plus haut niveau. Lorsque je me suis occupé de la détection incendie, qui a été un dispositif très onéreux, il fallait très peu de minutes pour qu'un agent aille faire la levée de doute. Nous avons fait remplacer de nombreuses portes en bois par des portes coupe-feu. Nous avons limité tous les appareils électriques qui étaient interdits dans les combles. Il faut une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un bois particulièrement résistant. Le mystère sur les causes de l'incendie reste donc entier. Philippe Estangoy, Estengo, directeur général de l'agence qualité construction, confie également son incompréhension et dit « L'incendie n'a pas pu partir d'un court-circuit, d'un simple incident ponctuel. Il faut une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. » Et donc pour lui, euh, le chêne serait euh, bien résistant. Ensuite, euh, ensuite on arrive euh, donc aux fake news. Là, nous avons euh, une belle fake news. De ce manipulateur donc euh, christophe barbier euh, je vais voir si je trouve la vidéo alors est ce que j'ai la vidéo Alors Christophe Barbier qui affirme que Notre-Dame doit être reconstruite en 5 ans. Pourquoi Parce que d'après lui, euh, les Chinois arrivent à construire une centrale nucléaire en quelques mois. C'est raisonnable, c'est Alors on regarde. c'est volontaire et c'est nécessaire 5 ans c'est 2024 2024 c'est les jeux olympiques le monde entier va venir à paris il faut que notre dame soit terminée inaugurée à ce moment là ensuite pourquoi on nous dit 10 ans, 15 ans chez les professionnels de la profession bah Parce qu'ils veulent faire de Notre-Dame leur dame. Et avec beaucoup de minutie, beaucoup de soins, bien sûr, Cela la roger, euh, travailler avec délectation sur ce chantier qui est évidemment un chantier unique. Architectes, artisans, maîtres d'œuvre, tout cela, ils veulent pendant 10 ans, 15 ans pouvoir en profiter. Là encore, pour l'excellence de leur art, pas par cupidité, mais non. Les Chinois font des centrales nucléaires en quelques mois, on doit pouvoir reconstruire cette charpente et ce plafond en 5 ans. Il suffit de s'y mettre et on a vu les dons sont là l'argent est là et en même temps le président en a profité pour adresser une sorte de, de leçon de morale aux français en tout cas un vœu d'amélioration collective on l'écoute Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été. Et à ce que nous avons à être, devenir meilleur que nous ne le sommes. Devenir meilleur que nous ne le sommes. Oui, récupération, récupération, faire de ce, cette tragédie, de cette catastrophe, parce qu'une tragédie, c'est quand il y a des morts, de cette catastrophe, faire une leçon pour les Français pour changer notre comportement. C'est de la récupération. Alors, déjà, le président nous dit, dans un premier temps, il faut se dépêcher sur Notre-Dame, et puis après, pour les réformes. Ne tombons pas dans le piège de la hâte. Il bah, faut savoir, est-ce qu'on va lentement d'un côté et vite de l'autre Et en plus, il nous explique que nous devons changer notre comportement parce que Notre-Dame a, a brûlé. Non, on gagne la Coupe du Monde de football, les problèmes sociaux demeurent, Notre-Dame brûle, les problèmes sociaux demeurent, et il faut s'en occuper, il faut qu'il s'en occupe. Il a ici tenté une récupération qui n'était quand même pas mais glorieuse et qui en plus se voit avec des grosses ficelles. Mais, mais l'objectif, c'est quoi ah bah calmer les Gilets jaunes. Faire en sorte que samedi, les Gilets jaunes disent non, non, pas respect pour Notre-Dame, pour ce deuil national. On ne vient pas manifester. On ne vient plus manifester pour que les Gilets jaunes disent, oh oui, finalement, notre Certains petit décision. Eh ben voilà, évidemment. Donc ça va être contre-productif. Il va obtenir l'effet inverse. Il va obtenir une surmobilisation. Alors peut-être pas ce samedi, parce que comme il n'y a pas eu les annonces officielles, la conférence de presse, tout est un peu entre deux. Mais il y aura toujours une mobilisation. Le mouvement social ne va pas se calmer. Quelle est votre note ce matin? La note est de 5 sur 20 pour Jean-Jacques Urvoas. Dans le tumulte, Notre-Dame s'est passé un peu inaperçu. Mais l'ancien garde des Sceaux ira devant la cour de justice de la République pour avoir donné des informations dans l'affaire solaire, c'est évidemment pas glorieux du tout, non plus. Donc voilà, euh, il est comme toujours dans son propre délire, c'est-à-dire qu'il fait euh, l'accusateur et l'accusé. Euh, personne ne lui a dit que nous avons. Ou, 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 ou que nous pensons renoncer à les manifester pacifiquement, à aller vivre pacifiquement en ayant le gilet jaune sur le dos comme on fait tous les samedis euh, parce que on a décidé de faire une pause. Enfin, je ne sais pas d'où il sort ça. c'est toujours, toujours la même chose. c'est qu'ils font parler des personnes. Et là, il fait parler les gilets jaunes. Enfin, je ne sais pas quel gilet jaune lui a dit ça, lui a soufflé ça à l'oreille. Et, et ensuite, il prend donc la posture euh, inverse en disant, non, non, il faut pas faire ça. Il euh, faut continuer euh, à faire les gilets jaunes. Euh, on va pas s'arrêter euh, pour une cathédrale brûlée. C'est pas grave, ça. Il n'y a pas eu de mort. C'est absolument incroyable comment il couvre... Tout le champ médiatique ils prennent les tous les rôles hein, le rôle euh, du questionneur et, et, et le rôle de celui qui donne la réponse euh, donc christophe barbier il a donné une fake news parce qu'il compare donc euh, construire une cathédrale à construire euh, une centrale nucléaire pour lui Vu que les Chinois construisent une centrale nucléaire en quelques mois, on, ils ne voient pas pourquoi une cathédrale euh, en mettrait 5 ans à la construire. Ils oublient juste que ce pas les mêmes matériaux et que le bois de chêne doit euh, sécher pendant 36 mois minimum. Voilà. Tu es nul et tu la ramènes de trop. Christophe Barbier. Euh, alors ensuite, euh, euh, il y a donc ces deux grosses fake news, donc de nombreuses images ont euh, en circulé en un peu partout, et euh, dont... Euh, deux particulièrement. Euh... Donc il y en a qui ont vu, euh, qui ont deviné euh, une présence de mystérieux individus sur la cathédrale. Euh... Et donc on va regarder, il y a une vidéo qui a été bien faite par le monde. Voilà, pour moi, euh, cette photo est. Leur, leur analyse est tout à fait euh, crédible, ça colle, il y a, euh, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, c'était euh, au final euh, deux fake news. Moi-même, je ne les ai pas partagées, mais vous avez été beaucoup euh, donc euh, à m'en faire part. Allez, on regarde. Cette photo a étonné bon nombre d'internautes lundi 15 avril. Prise lors de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, on y voit un individu perché sur le toit alors que personne n'était censé s'y trouver. Mais en étudiant d'autres photos de la face nord, on comprend qu'il s'agit simplement d'une statue. On la retrouve d'ailleurs sur nos images réalisées bien avant et pendant l'incendie. Dans cette autre vidéo, un internaute filme sa télévision. Ce sont des images de la chaîne espagnole RTVE. On y voit un individu se déplacer sur une coursive alors que tout le monde est censé avoir été évacué. Certaines personnes le jugent donc suspect. Elles sont persuadées qu'il ne s'agit pas d'un pompier ni d'un clerc. Mais voici les mêmes images en meilleure qualité. On distingue un individu en rouge avec un haut sans manches jaune fluo, une bande plus claire dans le dos et un casque miroitant. Comme certains pompiers. Après son passage, on voit d'ailleurs d'autres individus équipés de lampes et de bouteilles d'oxygène. Ces images ont été diffusées à 20h48. Cela faisait près de deux heures que des pompiers avaient investi la cathédrale. Il semble donc très probable que cet individu soit un soldat du feu. Voilà, pour moi, c'est suffisant c'était euh, deux fausses alertes de fake news euh, pour moi voilà c'est crédible à plus de 99% cette euh, ce débunkage de le monde euh, alors j'avais plein d'autres informations donc à partager que ce soit concernant Notre-Dame ou, euh, ou sur d'autres sujets, mais euh, l'heure a beaucoup avancé. Euh, J'aimerais donc euh, clôturer ce live, cette vidéo pour ce soir. J'aimerais avant euh, dire un mot euh, donc euh, par rapport aux au, au pompiers. Euh, sachez qu'il y, y a un fait... Euh, Je vais dire moi j'étais surpris hein, de euh, découvrir qu'il y a environ 114 pompiers pour 100 000 habitants euh, donc euh, sur Paris euh, alors que la moyenne nationale est de 382 pompiers pour 100 000 habitants c'est assez euh, incroyable moi j'étais vraiment euh, stupéfait de découvrir ça 114 pompiers pour 100 000 habitants euh, parisien contre une moyenne nationale de 382 pompiers pour 100 000 habitants. C'est euh, phénoménal la, la, la différence, en tout cas par rapport à la moyenne, sachant que euh, je vous rappelle que les pompiers ne font pas euh, uniquement que éteindre le, le feu hein, ils interviennent ils ont plusieurs interventions. On voit la densité. Des, des, des constructions parisiennes, le nombre de personnes qui, qui y vivent, on peut imaginer que les interventions doivent être beaucoup plus nombreuses qu'ailleurs. Bon, ça m'a vraiment surpris. Euh, d'ailleurs d'ailleurs, on a tous vu donc les images par rapport ben, les images en direct euh, et ce celles qui sont en euh, différé euh, je ne veux pas ici euh, être mal compris mais euh, 400 pompiers 400 pompiers enfin je sais pas le chiffre 400 euh, enfin je pense que je pense que 400 pompiers euh, Enfin, moi, je n'ai pas vu sur les images euh, 400 pompiers. Je pense que ça se serait vu. Donc, euh, on va faire quelque chose de simple pour ne n'offusquer euh, personne. Euh, on va demander, moi je vais demander, que euh, en l'honneur des pompiers, euh, une plaque soit posée, pas à l'intérieur, parce que pour moi, je défendrai jusqu'au bout le fait que la cathédrale doit être construite à l'identique qu'il ne doit y avoir aucun rajout, aucune modification. Euh, D'ailleurs, vous remarquez que je vous ai parlé immédiatement de, de mes inquiétudes par rapport à la reconstruction de la cathédrale et à l'incrustation de, de nouveaux éléments, de nouveaux symboles, de nouveaux signes euh, donc dans, les, les, dans la cathédrale. Et euh, je n'ai pas eu tort parce que, euh, bien que nous, a, nous avons beau, beaucoup d'architectes en France et même euh, des personnes qui sont habilitées, qui font partie de tout ce qui est personnel euh, travaillant dans le, dans le patrimoine et pour la restauration du patrimoine, bien que nous, nous soyons déjà bien fournis dans le domaine, eh bien, euh, euh, les autorités ont décidé de lancer un, un concours euh, pour les architectes euh, apparemment international, ce qui, euh, ce qui va dans le sens de mes inquiétudes et ce qui reste encore une fois incompréhensible. Euh, donc voilà, je, moi je, je demande euh, qu'une qu plaque, qu'un monument soit donc euh, créé à l'extérieur de la cathédrale. On peut imaginer sur le parvis une vitre. Euh, hein, et sur ce monument, donc, il est, moi je demande par respect pour les pompiers et en leur honneur que sur ce monument, les 400 noms soient gravés. Enfin, je veux dire, pourquoi pas. Voilà, moi je demande que... Euh, les 400 noms des 400 pompiers qui sont intervenus, euh, soit cités, soit gravés sur une plaque à l'extérieur, un monument, un muret, ce que vous voudrez. Euh, voilà, je, je, je ne vois pas euh, un seul des 400 pompiers euh, si, euh, si opposé. Hein, ce serait pas... Euh, ce n'est pas une insulte. Euh, voilà. Allez, euh, je vais vous saluer les amis. Euh, t -t 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 -t... Allez. Donc euh, bonsoir et bonne nuit, Francis Ch sur VK comme d'habitude, fidèle parmi les fidèles avec Didmuslim sur mon YouTube de secours. Pareil, fidèle parmi les fidèles, et Tony Nero et Malek Malki sur Facebook les deux. Et toujours Oulouloulou et Simon Boucher. Ah bah Simon, tu veux ma théorie sur la cathédrale? Il faut prendre en compte ce que j'ai dit ce soir et ce que j'ai dit euh, les deux précédents soirs. Il euh, y a beaucoup de choses hein, qui rentrent en compte. Euh, bonsoir, Kevin MK. Salut! Euh, bonsoir, pareil, Max Mundog, fidèle parmi les fidèles. Bonsoir Coraline Amelamaisa, et bienvenue, je te connaissais pas. Voilà, tu, tu es éveillé, ça me fait plaisir, je vois d'après ton commentaire. Euh, bonsoir Marie Gabrielle, bonsoir Frédéric Albert. Euh, bonsoir Zeps Akash donc sur mon YouTube de secours. Bonsoir Nabiha Saidi. Euh, bon, euh, re, bon re bon bienvenue Je t'avais pas vu pendant un certain temps. Euh, bonsoir Delphine Aran, je n'ai pas compris ton commentaire, mais ce n'est pas grave, bonsoir Jobson Joe, ouais, on a l'impression euh, que c'est une ère de jeu, bonsoir Lisa euh, Galio, bienvenue, je te connaissais pas, Bonsoir Kilian Custom Vikings. Euh, tiens, bonsoir Marivonne Deschamps. Je ne m'attendais pas à te voir sur mon YouTube de secours. Bienvenue. Euh, bonsoir Ginette Riester. Merci d'être fidèle. Bonsoir Martine Delamarre. Eh bien, tu es parti déjà te coucher, Ginette. Bonne nuit. Bonsoir à toi, tiens euh, Dan Ryu. Euh, je t'ai bloqué tout à l'heure. J'ai vu que tu étais insultant. Euh, ta 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 ta. Nous sommes d'accord. C'est euh, des trucages. Ginette et Francis, tu, tu fais bien de le souligner parce que la centrale. Euh, EPR n'est toujours pas fini, alors là je crois qu'on a dépassé allègrement les cinq ans. Euh... Bonsoir Alejandro Jura, effectivement, les pompiers on ne les appelle pas uniquement sur euh, des incendies d'église. Euh... Bonsoir Alpha, bravo et bienvenue. Euh... Ok. Ok, voilà. Allez les amis, euh... je vous souhaite donc une bonne nuit. Et on se retrouve demain comme d'habitude. Euh, ah bah tiens, juste j'ai failli oublier euh, très important. Je suis fier de vous montrer euh, notre ami. Donc euh, Mohamed Mohamed euh, euh, Alors regardez. Ce qu'il a fait aujourd'hui à 13h, il n'est pas le seul, mais hein. là j'en profite parce que c'est quand même notre ami, il est toujours présent. Là il n'est pas présent ce soir. Regardez euh, Mohamed Kharchouch aujourd'hui, bien entendu j'ai eu son autorisation. Regardez. Ce qu'il a fait, en tout cas, j'ai reçu cette image à 13h01. Eh bien, Mohamed, comme plein d'autres, comme moi-même, voilà ce qu'il a fait. Eh bien, Mohamed Kharchouch, il a mis son gilet jaune pour 13h, comme je le demande tous les jours. Merci frérot, ça, c'est un sacré soutien. Et as pensé à prendre la petite photo Merci beaucoup frérot. Voilà les amis. Donc, je vous demande d'y penser euh, là dans quelques heures. Il est 1h14. À 13h, mettez votre gilet jaune pendant une minute. Peu importe là où vous serez, c'est encore mieux si vous êtes euh, bien visible par beaucoup de monde. Euh, voilà. Et bien entendu, vendredi, on met le paquet, on sort tous vivre normalement avec des gilets jaunes sur le dos. Je vous souhaite une bonne nuit les amis et on se retrouve ce soir comme d'habitude parce que il en va de ma sécurité.